Comme ça qu'on les réveille au son du carnage. Ah, mais à cause de ces connes. Là, je voulais voir s'il y avait du monde. Oui, il y a du monde quand même. Dites, il n'y a qu'une maman. T'en as qu'une. Ben dis encore, mon fils. On va faire le chemin du retour, la paix. Ça se souvient. Là, c'est sacré. Le grand chemin du retour. Ça se souvient. Elle m'a dit, touche la mezouza. J'ai touché la mezouza. Elle m'a dit, maintenant, on fait chachachon. Donc on a fait le grand secession. On est repas. On est allé voir le rabbin à la synagogue. Et ma mère, elle a dit, voilà, il veut secession. Le petit, il a dit la vérité. Le rabbin, elle a dit, ça va, secession, 50 euros. Et donc, là, on... Et là, on a fait tout le rituel secession. Je suis allé voir tous les anciens, tous les j'ai dit, pardon, on est allé jusqu'à Auschwitz. Et on est revenu. T'as vu? Et alors? Et j'ai pris conscience. J'ai pris conscience. C'est à Tel Aviv. En Terre Sainte. Je suis arrivé, on était dans une boîte homo, trans. À Tel Aviv. Et là? Il y a un individu, il s'approche près de moi. Franchement, je ne sais pas ce que c'était. C'était une chose, c'était à moitié, tu sais, chauve-souris, moitié lézard. Il avait des machins en acier. J'ai dit, tu fais ce geste? Et puis il me dit... Non, c'est un copain, il est le copain. Non, tu es arrivé au mensonge, pas par hasard. Moi, de base, je suis soignant. Hein. Ça veut dire, pendant l'épidémie du coronavirus, on était les héros. Il appelle Hitler son papa. Non, non, non. Papounas. Il y a une personne qui est là, Zmoul, c'est-à-dire, je vous présente, Eric, d'accord, il y a Eric qui est là, Eric Zmoul, et qui, il a une mission, c'est préserver la race blanche, en fait, non, mais face à la montée des islamo-bamboulas qui sont venus vous manger, non mais je résume, hein. Et ce sera intéressant peut-être que vous échangiez tous les deux, hein. Vous êtes d'accord? Yeah. Amenez-moi les Juden. Eric, allez-y. Le Führer, il donne. Honoré chancelier. Appelle-moi mein Führer. Juden. Enchanté, mein Führer. Très honoré.
en un siècle, la situation a bien changé. Sachez-le, les hordes de Sarrasins ont largement dépassé Poitiers. Oui. Ils ont franchi le Rhin. Metz, n'en parlons pas. Donc, oui, ils se dirigent vers Berlin. La race arienne est en danger. Qui était Yod? J'essaye, ma fureur, d'aider, d'alerter les populations blanches du danger qui s'en vient. Mais tu es Yod. Et depuis combien de générations est-il Yod? Oh, ça remonte au temps des olives. Un Juden de cristal. Cela faisait longtemps. Pur. Sache, hideuse créature, sans morale, que je préférerais ma coquiner avec la dernière des putes aborigènes. Plutôt que de conclure un accord avec toi. Non, je savais en débutant dans le spectacle. La dernière bouche de l'imaginaire. Merci à vous d'être là ce soir, dans ce champ. Et on va revenir à Metz en plus de ça. C'est choquant, je sais pas, c'est dans très peu de temps. Donc n'hésitez pas, si vous avez des amis, à aller sur la biédosphère et regardez ce qui se passe. Venez, on sera aussi à Nancy, tout ça. Alors, évidemment, vous l'avez vu, les temps sont durs, on m'a tout coupé, hein. On m'a retiré de mon théâtre, on m'a même retiré mon bus à un moment donné. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai un câble maintenant, la fibre qui arrive dans la forêt équatoriale. Donc je vais me retirer pendant 2 ans. Je me suis dit, je vais laisser reposer un petit peu quand même. Ah, ils sont très énervés, ils ont chopé Soral dans la rue. Il n'a rien fait. Il a chopé une voiture, prends. Merde. Donc là, maintenant, il est parti parce qu'attention. Et donc, n'hésitez pas, si vous voulez me suivre pendant ces 2 années sabbatiques, je serai donc, pour les abonnés, dans ma forêt, puis au milieu des singes, et je vous expliquerai les vrais humains, peut-être. Et puis, c'est pas, on ne sait plus quand on est dans l'imaginaire. Donc le temps de me changer, je viendrai signer quelques affiches ici. Il ne me reste plus qu'une chose à vous dire. Merci pour votre fidélité, mes respects. Merci, à tout de suite ici.